שלום עליכם, הלכות סוכה, ישיבת סוכה. סימן קוף למד אי. זה וזיר 135, שפיטר 135. לשפיטר דבון, נביא כמו קונסטריר לסוכה. זה שפיטר לה, זה פעל כמו הקומפליר למצווה של הסוכה. אחרי כאלה פרסון אלה אין סוכה, כמו הווה הקומפליר את מצווה. כמו הדו הקומפליר למצווה, כמו הדו הסוקיופי של הסוכה. Alors, Ktiv, c'est marqué dans la Torah. Besukot teshvu shivat yamim. Dans les Sukkot, vous allez habiter. Teshvu, ça veut dire vous allez vous asseoir dans les Sukkot pendant 7 jours. Pirush, est-ce que ça veut dire vous asseoir? Tadourou besukot. Vous allez habiter dans les Sukkot. Ça veut dire, la Torah a dit, vous allez habiter 7 jours dans la Sukkah. Shudar beveto kol hashana, comme la même façon que la personne elle habite chez lui à la maison toute l'année. Alors pendant Sukkot, elle doit habiter dans sa Sukkah. C'est-à-dire qu'elle fait un déménagement, elle déménage. La personne elle déménage pendant Sukkot, elle habite plus chez lui à la maison, elle habite dans la Sukkah pendant toutes les semaines. Ken te ata ikar dirato basuka. Maintenant, ça va être l'essentiel de sa son habitage, il va habiter où dans la soukha. Shachnis le tocha kelav anaim ou matzaot anaot. Il faut qu'il mette dans la soukha ses fauteuils. C'est comme ça, normalement, on aurait dû faire, hein, de mettre les fauteuils, de mettre les plus beaux draps. Veochel vechote velomed ou metayel veyachen basoukha. Il mange, il boit, il étudie. Et il se promène et il dort dans la soukha. Va'afilu im saper im chavero, il saper basoukha. Et si il va parler avec un ami, il doit parler dans la soukha. S'il doit parler au téléphone, il rentre dans la soukha, il parle au téléphone dans la soukha. Ve'chen im pel bechidot, il parle batoch asoukha. S'il va prier sans minyan, il n'a pas de minyan par exemple, ou alors il a loupé le minyan, alors il doit prier dans la soukha. כתיב למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים ולכן צריכים לכוון בישיבת סוכה שציוונו הקדוש ברוך הוא לשב בסוכה זכר ליציאת מצרים. Donc c'est marqué הקדוש ברוך הוא נדון על התורה. Pourquoi vous allez faire cette mitzvah de cette soukha là? Pour qu'ils savent vos générations que moi quand j'ai pris le peuple d'Israël, je les ai sortis d'Égypte et je les ai amenés dans le désert et je les ai fait habiter dans des soukhot. הקדוש ברוך הוא, il nous mettait au-dessus de nous des nuages. C'était comme une soukha. Il nous protégeait du soleil et tout dans le désert. Et nous, on doit savoir ça, que Kadesh Baruch Hu, il a fait ce miracle avec nous. Il nous a fait habiter dans le désert pendant 40 ans dans des soukhotes, dans des cabanes. Okay? Les cabanes, elles étaient dans des nuages. Mais c'était des nuages d'Hachem Yidbarach, des soukhotes que Kadesh Baruch Hu, il a fait. Et maintenant, nous, ces soukhotes-là, ils représentent Mamash. C'est pas juste un pour se rappeler de la mémoire. C'est Mamash, la même Kdusha qu'il y avait dans ces soukhotes-là quand on est sorti d'Égypte. On retrouve cette sainteté-là qu'Akadosh Baruch Hu et Mamash, il nous fait habiter dans ces soukhotes-là pendant. Il nous amène cette Kdusha-là pendant soukhot dans la soukha. Okay, Rabbeinu Akadosh, il dit pourquoi il y en a besoin de trois côtés dans la soukha. C'est un enlacement d'Akadosh Baruch Hu. Comme quelqu'un il enlace, alors il a un, deux et trois côtés. Tiens, son bras il fait trois côtés, il enlace comme ça, il enlace, ça fait trois côtés, un, deux et trois. La même chose quand on rentre dans la soukha, Akadosh Baruch Hu il nous enlace. C'est mamash, on rentre dans la gdusha de la soukha. Et on doit se rappeler quand on rentre dans la soukha qu'on est en train d'accomplir la mitzvah pour se rappeler du miracle qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec nous quand il nous a sortis d'Égypte et il nous ramène ce miracle là maintenant. Les sukkot elu sheomer akatuv ki besukot oshavti nechleku baem tanaim ki Rabbi Eliezer omer emanane kavod sheikiv baem Akadosh Baruch Hu et avotenu lebal yakem sharav veshemesh. Rabbi Akiva omer sukkot mamash sheasu laem bishat etchaniata mipnei achama. Donc il y a une machloket dans la Gemara entre deux tanaim, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, il dit que c'est quoi ces soukhotes que Kadosh Baruch Hu nous a fait habiter dans le désert? C'était les
Anané Kavod, les nuages. Et Rabbi Akiva, il dit que c'était mamash des Sukkot, qu'à chaque fois qu'ils étaient dans le désert, ils construisaient à chaque fois des Sukkot quand ils habitaient dans le désert, à chaque fois qu'ils se reposaient, où ils ne marchaient pas, où ils se reposaient, à chaque fois qu'ils se reposaient, ils construisaient des Sukkot comme ça. Et donc, pour se rappeler de ça. V'af alpi shi'atzanu mitzrayim bechodesh nissan, lo tzivanu la'asot asuka b'oto azman. Il pose une question, il dit pourquoi on n'accomplit pas la mitzvah en Nissan. Nous on est sortis d'Égypte en Nissan. Pourquoi on a accompli cette mitzvah en Tishré, que c'est 6 mois après que la sortie d'Égypte. Si c'est pour nous rappeler la sortie d'Égypte, pourquoi on ne fait pas cette mitzvah à Pessah? À Pessah, on aurait dû faire une souka et manger la matzah dans la souka pour se rappeler la sortie d'Égypte, qu'on habitait dans des soukot. עכשיו כתבתי זיתים, נכון? אם אני עושה בהם שמן, אני מעשר רק את השמן. פה נראה לי, אתה לא צריך לעשר כלום, זה הפקר. זה הפקר. של רב, של רב. של, תתקשר לרב ותשאל אותו. כן, אחי. כל טוב הרב. פה נראה לי זה הפקר הכל, אתה לא צריך להפקר. כן, זה שטח הפקר. תשאל רב, אבל. בסדר? לא, בטח, אני חייב לשאול. כל טוב הרב, תזכה למזוות. לפי שהוא התחלת ימות הקיץ, בדרך כל אדם לעשות עסוקה לצל. Alors, il dit pourquoi, on repose la question, כן? Pourquoi on mange pas la matzah dans la souka pour se rappeler la sortie d'Égypte? Pourquoi on fait ça à Tishré 6 mois après? Il dit parce que si on aurait fait ça pendant Nissan, là c'est l'habitude que tout le monde construit des cabanes, des toits, des pergolas en hébreu, on appelle ça pergola, c'est des trucs comme ça pour faire de l'ombre et pour se mettre à l'ombre. Ken, ça c'est l'été, c'est le début de l'été. Nissan, c'est le début de l'été. Ça commence le mois de mai, comme ça, avril. Donc c'est le début de l'été. Donc on ne fait pas une souka dans le début de l'été parce qu'on n'aurait pas vu la différence. Là maintenant qu'on rentre, que ça commence à être l'automne, que commence à faire plus frais, et que là les gens en général, ils détruisent leurs cabanes qu'ils ont construites et ils rentrent dans leur maison. Alors là, nous on sort. Donc on construit des cabanes pour se rappeler qu'on fait ça pour la mitzvah d'accomplir, pour se rappeler la sortie d'Égypte. Mais là, il y a une mitzvah taboré de Barchemo, ça n'aurait pas été reconnu que c'était une mitzvah de Hakadosh Baruch Hu. La chen si va otanu la sot bechodesh nashvii shuzman akshamim, que c'est le moment où commence la pluie à descendre. Veder kol adam la tzet misukato velechev bebeto, et chacun il a l'habitude de rentrer chez lui à la maison. Et nous, au contraire, on sort de la maison et on rentre dans la souka. De ça, on fait montrer à tout le monde que c'est la mitzvah du roi sur nous qu'on doit accomplir. On doit garder la souka honorable, elle doit être propre. Il ne faut pas que les mitzvot elles soient bezouillotte, je veux dire honteuse, ça. Quel mal respecté. Velachen lo yachnis le tocha kilim shena mechubadim. On ne doit pas rentrer à l'intérieur des ustensiles qui ne sont pas honorables. Kegon que des rotes. Par exemple, de rentrer dedans des marmites comme ça, de sales. C'est à l'époque il puisait de l'eau, donc c'était avec une sorte de comme ça de récipient comme ça. Des kelim shemashim ba'em kemach, devant des sortes de bassines où alors on fait le pain comme ça, il reste dessus de la farine. Va'areva ve'yore ou marvat ou marteshet ve'kiotze ba'em, tous les ustensiles comme ça qui sont sales, ils sont pas propres. On ne doit pas les rentrer dans la souka. Et même à Kaharot, la Har Achilat, c'est l'otiam la chout. Même comment on appelle ça? Les Kaharot, c'est quoi les Kaharot? Les assiettes, les verres, tout ça qui sont sales après avoir mangé, il faut les sortir vite de la souka. Aval Kleshtia, Yu Basuka. Les verres, par exemple, ça, ils peuvent être dans la souka. Il dit que les verres, ils peuvent être dans la souka, puisque c'est propre.
ונוהגים שלא להכניס לתוכה נר של חרס משום דמאיס, וכן לא יעשה בה תשמיש בזוי כגון שטיפת כדרות או כערות. הכוסות מותר לשטוף. כאן היא לא פעלה ולבא דשוז, פר אקזמפ דזאסיית, או אלור דלווה על האינטרנר דולה סוכה, כי הסוכה זה מצווה. Et il faut que tout ce qu'on fait à l'intérieur, ça doit être honorable. Le Cholchekhen de Assur l'Achtinba a filé au Bekli, le Torkli. Il doit, en plus forte raison, qu'on n'a pas le droit de faire d'uriner à l'intérieur. Même quand on fait ça dans une bassine. C'est-à-dire des fois, les gens ils ont une soukha très loin de chez eux. Ils habitent des fois au 10e étage et ils doivent mettre leur soukha en bas. Alors, est-ce qu'il peut faire? Il y a marqué en bas. Yem kashe lo lech lachut b'chutz mechamat akor et gam beveto mashtin betoch avit mutar lasot ken gam besukato teshvu ke'ain tadoru amar rachmana v'chen na'agut tzadikim gdole olam. Ça veut dire que si la personne a l'habitude, bon, aujourd'hui on n'a plus l'habitude de faire dans des bassines. Avant ils n'avaient pas de toilettes proches. Alors aujourd'hui, c'est plus courant. Mais si quelqu'un a l'habitude de faire dans des bassines chez lui à la maison, alors même dans la soukha, il pourra faire. S'il peut pas, s'il a froid, il ne peut pas sortir à l'extérieur, il dort à l'intérieur en plein milieu de la nuit, il pourra faire dans une bassine. Afalpi shiosek ken betor beto. Aval tashmish amita mutar besoukha. Ken, de la mitzvah avec sa femme. Ken, mutar dans la soukha, c'est permis dans la soukha. Share ikar mitzvata i ish ve ishto. L'essentiel de la mitzvah de la soukha, c'est l'homme avec sa femme. Et on doit se comporter dans la soukha comme on se comporte à la maison. Im ichnis le tocha kelim bezouim enan ifselet bekach. Si il rentre à l'intérieur des kelim bezouim, s'il fait rentrer des choses qui sont sales dans la soukha, la soukha elle ne devient pas soule à cause de ça. Mais le temps que les ustensiles pas propres, ils sont dans la soukha, on ne doit pas faire la bracha les chefs basoukha. Jusqu'à qu'il va sortir ces ustensiles-là. Si par exemple il a fait rentrer à l'intérieur des assiettes, ils sont sales, il n'a pas encore nettoyé la table, tout ça, il ne fera pas la bracha les chefs basoukha. Il faut d'abord nettoyer, enlever tout ce qui est sale. Quand la soukha redevient propre, elle redevient honorable, alors on pourra faire la bénédiction de les chefs basoukha. Achila basoukha, balayla arishon, ichova. De se nourrir dans la soukha, le premier jour, la première nuit, c'est une obligation. Ça veut dire que tout le reste de la semaine, si la personne ne mange pas de pain, elle n'est pas obligée de rentrer dans la soukha pour manger. Elle n'est pas obligée de rentrer dans la soukha pour manger. Elle peut rester sans manger toute la semaine dans la soukha. Mais le premier jour, il y a une obligation de rentrer dans la soukha et de faire un motzi et de manger à l'intérieur de la soukha au moins kazaït, c'est 30 grammes. Et ces 30 grammes-là, il faut les manger pendant 7 minutes et demie. Voilà, 7 minutes et demie, c'est comme on fait pour le Pessah, on mange le kazaït de matzah. On doit faire aussi, là, on mange le kazaït. Le kazaït, c'est 30 grammes de pain. Dans la soukha, la première nuit de Soukhot, pendant 7 minutes et demie. C'est le temps achilat pras. Je tzerech lechol besoukha pat lechol pachot kazait. Au moins, le minimum, c'est kazait. Ve afilu mitztaer chayav lechol basoukha. Même quelqu'un qui est mitztaer, qui a du mal à accomplir cette mitzvah, il est obligé d'accomplir cette mitzvah. D'après la Torah, il est obligé d'accomplir cette mitzvah. Il doit rentrer dans la soukha et accomplir la mitzvah de manger 30 grammes de pain pendant 7 minutes et demie dans la soukha. Achav, da'at maran, ke da'at aposkim, shamitzter, patur av belaila arishon, ken av sheochel basoukha, lo yivrech leshev basoukha, shesevek brachot la'akel, kemo shekatav amchaber bifnim. Ça veut dire que d'après le Shulchan Aruch, quelqu'un qui est mitzter, quelqu'un qui a du mal, c'est difficile pour lui d'accomplir cette mitzvah, alors il est patour de la soukha. Il est pas obligé d'accomplir la mitzvah de la soukha. Quelqu'un qui peut pas, il est trop froid pour lui, il peut pas être dans la soukha, il fait trop froid, ou alors il a un problème. Il faut qu'il demande à un rav pour savoir qu'est-ce qui s'appelle mitzta'er. D'après le Shulchan Aruch, il est patour de la mitzvah. Donc même s'il veut s'obliger
et rentrer dans la souka pour manger dans la souka, il ne fera pas la bénédiction de l'échef basouka. Puisqu'il n'est il est pas, d'après le Shulchan Aruch, il est patour. Ou le dat, maran, chez Amitster, patour av balayla arishon, im yardou gishamim veachal babayit veachakar paskou agishamim, im paskou lifne chatzot layla, ikanes la souka vivarech l'échef basouka viochal lefachot kazait. ואם לא פסקו הגשמים, עד אחר חצות לילה, לא יברך לשב בסוכה, אלא אם כן אכל פת יותר מקבצה. Donc si quelqu'un qui est mitztaer, il peut rentrer chez lui manger. Par exemple, il y avait de la pluie. Donc il est rentré chez lui et il a mangé. Parce qu'il y avait de la pluie, il est mitztaer, il ne peut pas rentrer dans la soukha, donc il est pas tour de la mitzvah de la soukha d'après Maran, d'après le Shulchan Aruch. Donc il peut rentrer chez lui et manger à la maison. Donc, quand ici la pluie elle s'est arrêtée, avant Khatsot, et il rentre dans la souka et il fait la bénédiction le chef basouka et il mangera un kazaït, parce que maintenant il est plus mitzvah, il peut accomplir la mitzvah, donc il est plus patour, il devient chayav de nouveau, il devient obligé de nouveau, et il rentre dans la souka avant Khatsot et il fera le chef basouka et mangera un kazaït. Maintenant, si la pluie elle s'est arrêtée après Khatsot Laila, Khatsot, c'est 6 heures après la tombée de la nuit. 6 heures, ok, 6 heures de la montre après la tombée de la nuit. Si la tombée de la nuit elle tombe à 8 heures du soir, par exemple, c'est la sortie des étoiles, alors à 2 heures du matin ce sera Khatsot, d'après Rabbeinu. Alors, si lui il a passé Khatsot, la pluie elle était jusqu'à après 2 heures du matin, Khatsot il est passé. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la souka et il ne pourra pas faire le chef basouka s'il ne mange qu'un kazaït. Il faudra qu'il mange kabetsa, c'est le double, c'est-à-dire 60 grammes de pain. Okay. Puisque la première mitzvah, c'est de manger, la mitzvah de la nuit, c'est de manger avant Khatsot dans la souka. ואם יורדים גשמים, אם ידמה שיפסקו לאחר שעה או שתי שעות, ימתין ואחר כך יקדש ויוכל בסוכה כראוי. Si il y a de la pluie, si lui il a l'impression que ça va s'arrêter, dans une heure ou deux ça va s'arrêter, il attend. Cette heure ou ces deux heures-là il attend, il ne mange pas. ואם רואה שלא יפסקו הגשמים או שימתין ולא פסקו, si il voit que ça ne va pas s'arrêter, il voit que c'est une pluie qui va rester toute la nuit ou alors ça ne va pas s'arrêter, ou alors il a attendu une heure ou deux, ça ne s'est pas arrêté. Mais Kadesh Basouka, il fera la bénédiction du Kiddush dans la Souka, il fera Shechianu, ou Mechaven Shechianu Gam à la Souka, il pensera, quand il dit Shechianu, il pensera aussi sur la Souka. Avalenu Mevarech le chef Basouka, il ne fera pas la bénédiction le chef Basouka, il fera Netziat Yadaim, il fera Amotzi, et il mangera Kazait dans la Souka sans Efsek. Ça, c'est d'après les Ashkenazim qu'on a dit tout à l'heure, d'après les Sfaradim, il est Patour. Il n'est pas tour, il n'est pas obligé de rentrer dans la soukha. Mais celui qui veut accomplir comme les Ashkenazim, il accomplit comme ça la mitzvah, mamash, de faire ça dans la pluie et d'accomplir la première mitzvah, le premier kazaï dans la soukha. Mais il ne fera pas la bénédiction de l'échef basoukha. Veolech letor abayit vegomer seudato. Et il rentrera chez lui à la maison et il finira chez lui à la maison sa seuda. יש לו לכוון בשעת נטילת ידיים, בשעת ברכת המוציא, שדעתו לאכול גם בבית. Quand il fera נטילת ידיים dans la soukha, comme lui il pense, il sait qu'il va rentrer chez lui après à la maison, donc il fera la kavana, il pensera de ça qu'il va manger, il va continuer sa seuda dans la maison. ואם פסקו הגשמים קודם שבירר ברכת המזון, si il est en train de faire sa seuda, avant de faire ברכת המזון, et la pluie s'est arrêtée, הולך לתוך הסוכה, il rentre dans la souka, il fera la bénédiction le chef basouka, et il mangera là-bas un peu plus de kabetsa, ça veut dire 60 grammes, ou mvarer berkat amazon, et il fera la bénédiction de berkat amazon dans la souka. Veim paskou agshamim lachar shebirer berkat amazon, si maintenant la gshamim, la pluie, elle s'est arrêtée après qu'il a fini berkat amazon, oler gam ken letoch asuka, il faut qu'il aille dans la souka, il fera la netilat yadaim une deuxième fois. Ve ochel ksat yoter mikabetsa pat, birkat leshef basuka, umvar birkat amazon. Im basuka shelo, c'est-à-dire qu'il fera birkat amazon. Im basuka shelo, af leachar shepasku akshamim adain amayim mitaftefim minaskar, viesh beshkunatu suka shaitam nisgeret, msugaret begag, nachar akshamim niftecha, elech shama viochal pito betuv levav. Si maintenant dans sa suka, lui,
il y a de la pluie encore qui tombe parce que tout son scar il s'est mouillé, donc ça tombe de la pluie. Alors il ira chez un ami où sa souka était protégée par quelque chose qu'il a protégé sa souka avec un quelque chose qu'il a mis sur la souka, et c'est vaut mieux qu'il mange dans la souka où il n'y a pas de pluie, où c'est tout propre et tout sec. Donc on va répéter ça en quatre phrases pour remettre bien, c'était un peu... Donc on a dit que la première nuit de Soukhot, on a une mitzvah de manger un kazaït dans la souka. Un kazaït, c'est 30 grammes. Okay. Quand il rentre dans la souka, il fera les chefs à souka, il mangera ses 30 grammes, il a accompli la mitzvah de la Torah. Maintenant, d'après les Ashkenazim, la première nuit, on est obligé d'accomplir la mitzvah de la souka, même que la personne elle est mitzta'er. Ça veut dire elle a du mal, par exemple il pleut, par exemple. Okay. S'il pleut, alors il a du mal, il est obligé d'accomplir cette mitzvah. Donc qu'est-ce qu'il fera? S'il pleut, il attendra une heure ou deux, tout ça c'est d'après les Ashkenazim, il attendra une heure ou deux, il attend, et une fois que c'est pas passé la pluie, il rentre dans la souka, il fait une tzilat yadaim, il mange un kazaït, et après ça il continue sa souda chez lui à la maison. Okay. Tout ça c'est d'après les Ashkenazim, et après ça, qu'est-ce qu'il fait? S'il voit que la pluie elle s'est arrêtée avant le Birkat Hamazon, il rentre dans la souka de nouveau, il mange kabetza, c'est-à-dire 60 grammes de pain, et il fera la bénédiction le chef basouka avant de manger les 60 grammes de pain, il fait Birkat Hamazon, comme ça il a accompli la mitzvah, et il sort de la souka. Si maintenant... tout ça c'était d'après l'Ashkenazim. Si après d'avoir fait le Birkat Hamazon, la pluie elle s'est arrêtée, il rentre dans la souka, il fait Netilat Yadayim, il fait les chefs basouka, il mange 60 grammes de pain, Birkat Hamazon, et il a accompli la mitzvah, et il sort de la souka. Okay. ואם פסקו הקשיים לאחר שבירה ברכת המזון, הולך גם כן לתוך הסוכה ונותן לידיו כן. Maintenant, d'après les Sfaradim, quelqu'un qui s'il pleut, on ne rentre pas du tout dans la soukha. On ne rentre pas dans la soukha parce que mitzta'er, pas tour. Donc on ne rentre pas du tout dans la soukha. Et si la personne elle veut quand même rentrer, donc c'est sûr qu'elle ne fera pas la bénédiction de la chef basoukha. Okay? Comme il a dit le question Shulchan Aruch. Maintenant, après, c'est ça la différence. Maintenant, si la pluie elle s'est arrêtée avant Chatzot, il pourra faire la bénédiction des chefs Basouka. Et si la pluie elle s'est arrêtée après Chatzot, il pourra faire la bénédiction des chefs Basouka seulement s'il mange 60 grammes de pain, pas moins, pas 30 grammes. Parce que normalement, on a dit que la mitzvah c'est 30 grammes, donc on peut faire la chef Basouka même s'il mange que 30 grammes. Mais si Chatzot est passé, il faudra attendre. Il faudra manger 60 grammes de pain pour faire les chefs basouka. Bezrat Hashem. Dalet. Balayla sheni, gam ken chova lechol basouka. Vafilu ou mitzta'er. Donc maintenant on parle de les gens qui habitent en Chutz La'aretz. Le deuxième jour, il a aussi obligation de manger dans la souka, même si il est mitzta'er. Ça c'est encore d'après l'Ashkenazim. Vedino kemo balayla rishon. Tout ce qu'on a dit dans la première nuit, c'est dans la deuxième nuit, pour ceux qui habitent en Chutz La'aretz. Qui habite en dehors d'Eretz Israël. Et là, chiluk echad yesh benem. Il y a juste une différence. Shim ra'a shelo yipasku akshamim, ou imtin velo pasku mekadesh babayit veochel sham. La différence est que si il a vu que la pluie elle s'arrête pas, il rentre pas dans la soukha du tout. Il fait direct chez lui à la maison. Vekodem birkat Amazon, olech letoch hasoukha veochel sham lechol apachot kazayit pat, belo birkat leshev basoukha vechozer levetom ver birkat Amazon. Et avant la fin du Birkat Hamazon, il rentre dans la souka, il mange 30 grammes de pain, et il rentre chez lui à la maison, il finit le Birkat Hamazon chez lui à la maison. Ça, c'est la seule différence entre le premier jour et le deuxième jour pour celui qui habite en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël. Hey, Arvid Kesheba mi bet haKnesset nichnas la souka ou mekadesh miad. Arvid, le soir quand il vient, il rentre du bet haKnesset. Bezrat Hashem, quand il n'y a pas de pluie et tout ça, et il rentre directement dans la soukha et il fait kiddush. Il faut qu'il fasse attention de faire kiddush quand il fait nuit complètement. C'est-à-dire que des fois, on fait l'arvit quand il fait encore jour. Donc, quand on a fini arvit, des fois il fait encore un peu jour.
il faut attendre qu'il fasse nuit. וכשהוא מברך בקידוש לשב בסוכה, יכוון לפתור בברכה זו, סעודה זו, וגם השינה או שער צחחיו שיעשה בסוכה עד הקידוש שביום המחר. כאן היא יבחה לשב בסוכה, פונדן קידוש, אלא רומפה לשב בסוכה, יפו כי היא פנס הסקיטה דו סומי דן הסוכה, כמו דורמיר דן הסוכה, תוס כמו ואפר דן הסוכה, ז'וס קולון דמה. ברכת שחיינו, quand il fera Shekhianu, il devra penser d'accomplir sur la fête Shekhianu, c'est-à-dire que sur la fête de Sukkot qui est venue, et aussi sur la Soukha qui a accompli la mitzvah de la Soukha. C'est deux choses. On a deux choses dans Sukkot. On a deux choses. On a la fête de Sukkot, ça c'est une mitzvah. Et à part cette mitzvah de la Sukkot, on a une autre mitzvah, c'est de manger dans la Soukha. C'est deux mitzvot qu'on a. Donc quand on fait Shekhianu, on pensera sur la fête. On est content qu'on vit encore pendant cette fête-là de Sukkot. Et on est aussi content de vivre et d'accomplir la mitzvah de la Soukha. Velachen, balayla arishon, mevarachin techila leshev basoukha, vachakar shechianu. Shete berkat shechianu gam à la Soukha. Ou balayla sheni mevarach techila shechianu, vachakar leshev basoukha. Donc pendant Sukkot, le premier jour, il devra dire. Il devra dire d'abord les chefs basouka, et après il dira Shekhianu, pour que la berka de Shekhianu soit aussi sur la souka. C'est-à-dire comment on dit les chefs basouka, et après on dit Shekhianu, comme ça Shekhianu ça vient aussi sur la mitzvah de la souka. Mais le deuxième jour, puisqu'on a déjà fait une fois la bénédiction sur la souka, on n'a pas besoin de refaire la bénédiction sur la souka. Maintenant on dit Shekhianu juste pour la fête, puisqu'on a déjà fait la bénédiction pour la souka hier. Okay? Mais ça, c'est en Chutz La'aretz. En Eretz Israël, on n'a qu'un jour de Yom Tov. On n'a pas deux jours de Yom Tov. Donc en Eretz Israël, on dit qu'une fois Shekhianu. Donc en Chutz La'aretz, le premier jour, on dira Shekhianu après les chefs Basouka. Et le deuxième jour, on dira Shekhianu avant les chefs Basouka. Kshéochlim kama ba'ale batim, besouka achat, v'yesh sham gam anashim, ou char bnei abayit, shetrichim lishmoa etev et akidush la tzedbo. אם יקדשו כל בעלי הבית ביחד, תקחק תקלה, תרקלה למשתמעה, ולא ישמעו היטב את הקידוש. על כן טוב יותר שיקדשו בזה אחר זה. Des fois, il y a des gens qui font, ils n'ont pas beaucoup de soukot. Ou alors, des fois dans des hôtels. Quelqu'un il va dans un hôtel pour un soukot, ça arrive qu'il y a une grande soukha pour l'hôtel, tout le monde fait dedans. Maintenant, si tout le monde fait en même temps le kidouche, et là, on ne va pas entendre. On ne pourra pas entendre tout le monde faire en même temps le kidouche. Okay? Tous les balébaïts ensemble, ils font le kidouche. Chacun, il lève son verre et il fait kidouche en même temps. On ne pourra pas entendre personne parce que deux voix, on ne s'entend pas en même temps. Ah, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que chacun il fasse son kidouche pour sa famille, un après l'autre. Vim ikachim beyachad, kegon im en sham mishet tsarich latzet beshmiat kidouche. אם מקדים אחד וסיים ברכת הבורא פרי הגפן וברכה אחרת ואחר כך סיים חברו, אין לראשון לענות אמן אחר ברכת חברו משום דה אמן אבי הפסק בין ברכת הבורא פרי הגפן לשתייה. Donc si maintenant il y a personne à qui acquitter, il y a pas de femmes par exemple qui doivent être acquittées, que des hommes. Okay? Par exemple, quelqu'un il se trouve à Ouman, il a été à Ouman, il est bloqué à Ouman pour Sukkot, il est resté bloqué, il n'a pas réussi à revenir, il est resté là-bas. Il n'y a pas sa femme et ses enfants, tout ça c'est que des hommes. Alors chacun il peut faire le kiddush soi-même. Donc il n'y a pas besoin d'acquitter de quelqu'un d'autre, il n'y a pas besoin d'entendre la bracha de quelqu'un d'autre. Donc là, s'il fait la bénédiction, chacun il fait la bénédiction de soi-même. Lui il a fini un petit peu avant l'autre. Il ne faut pas qu'il réponde amen à la bracha de l'autre, parce que ça va être un effet contre sa bourré péri à Geffen et de boire le verre. Donc il faut, quand on fait la bénédiction, il faut tout de suite boire après. On ne peut pas faire d'arrêt et de répondre amen à quelqu'un d'autre. Donc si deux personnes ils ont fait kiddush en même temps et un il a fini avant l'autre, celui qui a fini avant l'autre, il ne doit pas répondre amen sur la bracha de l'autre. Il doit boire directement son verre de vin. והעולם נוהגים להמתין זה על זה ועונים אמן וזהו שלא כדין אלא יש להם לומר הכל ביחד. Et il dit, le monde il se trompe de ça, des fois il se trompe et ils répondent un à l'autre amen, il faut, et ça c'est pas comme il faut, c'est pas d'après la halakha. Donc il faut faire attention de pas aussi, des fois on peut se tromper dans le amotzi. J'ai vu plusieurs fois des gens qui se trompent, ils
quand ils ont fait un motif de Cheminaharetz, alors ils disent Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Lo Lamvad avec le pain. C'est un problème parce que c'est un fissek contre le pain, contre la bracha Adam aussi, et de s'acquitter de la bracha, il faut manger tout de suite le pain après. Donc on ne peut pas dire Hashem Melech, Hashem Malach, on peut le dire ou avant de faire la bracha à Motsi, ou alors après d'avoir goûté le pain. Mais on ne peut pas le faire entre dire à Motsi et de goûter le pain, on n'a pas le droit. Donc on peut faire ou avant ou après, mais pas entre les deux, parce que ça fait un hefsek. La bracha, elle est coupée de la nourriture. Et nous, on doit attacher la bénédiction et tout de suite se nourrir de l'aliment qu'on a béni dessus. Bezrat Hashem, Béchar Alelot, les autres nuits, les autres jours, on n'a pas d'obligation de manger dans la soukha. Seulement, si la personne veut manger une achilat keva, elle veut manger quelque chose, faire un repas, un repas, ou alors dormir, il est obligé de manger et de dormir dans la soukha. Donc, qu'est-ce qui s'appelle un achilat keva, un repas fixe? Okay? On a dit un repas fixe, on est obligé dans la soukha, et de dormir, on est obligé dans la soukha. Dormir et de manger un repas fixe, ça c'est obligé dans la soukha. Qu'est-ce qui s'appelle un repas fixe? Pat yoter mikabetza afilo lo kava alea. S'il mange du pain, 60 grammes de pain, 61 grammes, et même qu'il mange ça comme ça, pas sans s'asseoir, tout ça, sans se faire de ça un repas, il est obligé de manger ça dans la soukha. Même si c'est pas tababikisenin, tout ce qui est maisonnot. Alors des pâtes par exemple, yoter mikabetsa, si c'est plus que 60 grammes, vekava alav, et qu'il a, c'est son repas, c'est-à-dire c'est son repas, maintenant il va manger ça, c'est ça son repas maintenant, il va manger un morceau de gâteau avec un verre de café, ça c'est son repas. Il est obligé de rentrer dans la soukha, il fera la bénédiction, les varech, il fera la bénédiction, les chefs basoukha. Ça, c'est d'après les Ashkenazim. D'après les Sfaradim, on ne fait pas de bénédiction sur les maisonot. Maisonot, on ne fait pas de bénédiction. Seulement si la personne elle a mangé suffisamment de maisonot pour faire après le Birkat Amazon dessus. Par exemple, elle a mangé 280 grammes ou alors 240 grammes, c'est une machloquette. Aval, même si c'est par exemple des pâtes, par exemple, on ne fait pas un Birkat Amazon. Même si on mange 400 grammes de pâtes, on ne fait pas de Birkat Amazon. Mais s'il a mangé la quantité de 240 grammes, alors il fera, comme il a fixé de ça son repas, c'est ça son repas, c'est un plat de pâtes, alors il fera la bénédiction des chefs basouka, même d'après les Sfaradim. Maintenant, autre chose, s'il mange maisonot, et après il pense, il veut rester dans la soukha. C'est-à-dire qu'il va faire maintenant, il va manger maisonot, il va manger un morceau de gâteau, okay, de 60 grammes. Et après ça, il va rester 2-3 heures dans la soukha après. Okay, il va rester dans la soukha, il pense rester dans la soukha. Donc il pourra faire la bénédiction des chefs basoukha, même d'après les Sfaradim. Et autre chose, si par exemple, quelqu'un, ils vont faire un kiddush pendant Shabbat, et au début on amène des maisonot, et après ça, on va faire le repas, plus tard, un peu plus tard, dans le même endroit, donc on pourra faire aussi les chefs basouka sur les maisonotes. C'est les trucs qu'on peut faire. Mais si quelqu'un veut manger maintenant un petit morceau de gâteau de moins que 240 grammes, il ne doit pas faire les chefs basouka. Un valperot, afilu achal arbe, vekava alehem mutar lechol chutz la souka. Si maintenant il mange des perrots, des fruits, en dehors de la souka, il n'a pas besoin de rentrer dans la soukha pour manger des fruits. Même s'il mange beaucoup de fruits. Bon, il mange beaucoup de fruits, il peut les manger en dehors de la soukha. Même de manger une salade par exemple, une grande salade, il peut la manger en dehors de la soukha, il n'est pas obligé de rentrer dans la soukha pour ça. Vechen yain, o shear mashkim, o basar o gvina, mutar le'echol ishtot chutz la soukha. Du vin, de la viande, du fromage, on peut manger en dehors de la soukha. Mais ça,
c'est seulement si il n'a pas fixé son repas dessus. Si par exemple quelqu'un il mange une entrecôte à Soukhot, ça c'est son repas, okay. Alors il devra, il se fixe dessus, il devra manger ça dans la soukha, mais sans faire la bénédiction les chefs basoukha. אבל אם רוצה לשתות יין או שר משקים בדרך קבע או שרצה לאכול בשר או גבינה דרך קבע צריך סוכה ולא יברך עליהם לשב בסוכה. Il ne devra pas faire la bénédiction le chef basuka, mais il doit rentrer dans la soukha pour ça. Alors, je vois qu'en bas il dit דעת מרן שכל הדברים האלו דינם כפירות ואינם צריכים סוכה אפילו קבעו עליהם אלא שדעת אחרונים להחמיר ולחייב בסוכה שקבעו סעודה ומשתה עליהם כל מקום מלברר ברכת השף בסוכה שיספק ברכה לבטלה כמו שכתב המחבר בפנים. Donc il dit que d'après le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, tout ce qu'on a dit là, à part tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire le vin, la viande, le fromage, tout ça, on n'a pas besoin de soukha du tout. Même si la personne elle a mangé, elle a fixé son repas dessus, elle n'a pas besoin de manger ça dans la soukha. Mais comme la plus grande partie des acharonim, des poskim qui viennent après le Shulchan Aruch, ils ont demandé d'être marmir sur ça, d'exigeant sur ça. Donc il vaut mieux accomplir comme il y a marqué dans le Kitsur Shulchan Aruch, que si la personne veut manger un repas fixe de viande ou de fromage ou de vin, de fixer quelque chose sur ça, ils devront rentrer dans la soukha mais sans faire la bénédiction les chefs basoukha. Vetov shiyochal kodem pat kedesh shiyivarech vechol zot medina. C'est mieux, il dit encore mieux qu'il fasse un nesiat edaim et comme ça il fera les chefs basoukha avant et après comme ça il peut manger le reste, puisque c'est une machloket si on fait dessus les chefs basoukha ou non. Sur le vin, la viande et le fromage, c'est une marloquette, si on fait dessus ou pas. Donc il dit le mieux, c'est qu'il fait netilat yadayim, les chefs basoukha sur du pain, et comme ça, après, il peut manger le fromage ou la viande, tout ce qui est... Mishé machmir alatzmo, maintenant, il dit maintenant que quelqu'un, tout ça, ce qu'on a dit là, ça, c'est d'après la halakha. Non, celui qui veut être marmire sur lui, qui est exigeant sur soi-même. Et à Filoumaïm, que même de l'eau, de ne pas boire en dehors de la soukha, a résé Meshoubar. Ça c'est. Meshoubar, c'est quelque chose qui est très bien. Si quelqu'un il peut faire ça, de même de l'eau, de boire dans la soukha, ça c'est Meshoubar. C'est d'avoir un gadol, c'est quelque chose de grand. Shena, de dormir à l'intérieur de la soukha, même de dormir. De se reposer quelques minutes, de fermer les yeux, de s'endormir quelques minutes. Chez Nataray, on est obligé de rentrer dans la soukha pour dormir. Vechen aussi ma medakdekim ba mitzvot. Comme ça, ceux qui font, ils sont medakdekim, qui sont pointueux dans les mitzvot. Shafilu chez Nataray, enam yishenim chusar soukha. Que même de dormir un petit peu en dehors de la soukha, ils ne dorment pas, même se reposer, fermer les yeux quelques minutes, ils ne dorment pas en dehors de la soukha. Ve'ata, chez Noagi, Marbe, le Akel, Bashena. Et maintenant qu'il y a beaucoup de monde qui sont qui ne dorment pas dans la soukha, qui sont Mekel, ils ne veulent pas dormir dans la soukha. Kadvu acharonim, sronei vracha, kamat e'amim, liyamet, ksatzchut alehem. Il y a plusieurs acharonim qui ont écrit des raisons pourquoi on peut les juger les kafsrout. Okay, les juger les kafsrout. Ktsatsrout, un peu de mérite sur eux. Aval kol ire shamaim, tout celui qui a la crainte de Dieu, raou ilo l'achmir. C'est apte d'être exigeant sur lui. Vela sot souka, shiuchal la dour sham. Il doit de faire une soukha qui pourra dormir à l'intérieur avec sa femme. Que moi je suis dar kol hashana, comme qui dort toute l'année. Kula, imef charlo. S'il a la possibilité de faire une soukha grande où il peut dormir lui, sa femme et ses enfants dans la soukha, ça c'est la meilleure mitzvah. Ou le kol apachot, j'étais royal lishon sham ou levado. Au moins que il puisse dormir lui-même tout seul dans la soukha, ça c'est le minimum. Vimenaken, afelu bediavad ipsula. Et si elle n'est pas aussi grande que ça, qu'il pourra dormir lui-même à l'intérieur,
Mais même Bediavad, elle n'est pas soule. Elle n'est pas cacher cette souka. Maintenant, il dit le Mishnah Bura. Veyesh min acharonim shecholkim al zeh, vedantam, shi'af lechatrila en la sot souka kazo. Que même que, il ne faut pas faire une souka comme ça, toute petite, où on ne peut que manger à l'intérieur, on ne peut pas dormir à l'intérieur. Mais kol makom, malgré ça, s'il a fait une mitzvah, une souka comme ça, elle est quand même cachère et il accomplit la mitzvah de manger dans la souka le premier jour. Yardou Geshamim, si maintenant il y a eu de la pluie, patour min asouka, il est patour min asouka, il ne doit pas rester dans la souka, il doit sortir de la souka, il est patour, il a pas de mitzvah sur lui de manger ou de dormir dans la souka. Bezek Shamim patour, lesquelles pluies on parle, où on dit que la personne elle est patour, im yardou kol kar sheou meshaer sheim ayou noflim kar letoch atafshil ayam et kelkel. אפילו אין לפעליו התפשיל, או שהוא משאר שאם היו נופלים לתוך החדר שהוא בו היה יוצא משם לחדר אחר, אז יוצא גם כן סוכה לבית. Si maintenant, comment, quelle pluie on parle? Si c'est toute petite goutte, des grosses gouttes, à partir de quelle pluie on dit qu'il faut sortir de la soukha? Si maintenant il mange dans la soukha, et qu'il sait que s'il avait un repas devant lui, et cette pluie-là, elle aurait abîmé son repas, ce serait rentré dans son assiette et ce serait abîmé son repas, il est patour de la souka, il peut sortir. Ou alors, si il dort et il y a des gouttes qui tombent, et il sait que s'il était chez lui à la maison, il y aurait eu comme ça des gouttes qui tombent sur lui, il serait sorti de cette chambre-là, il serait parti dans une autre chambre. Aussi, il peut sortir de la souka et rentrer chez lui à la maison. Que si maintenant il était dans la souka et il est rentré chez lui à la maison parce qu'il y avait de la pluie, et après ça s'est arrêté de la pluie, on ne parle pas du premier jour de Soukhot, qu'on doit manger 30 grammes de pain dans la soukha. On parle des autres jours. Si maintenant il a commencé à manger dans la soukha, et il a commencé à avoir de la pluie, donc il est rentré à la maison, et après la pluie elle s'est arrêtée, il n'est pas obligé de rentrer dans la soukha de nouveau. Il continue sa seouda à la maison. Et même aussi, s'il a commencé à la maison parce qu'il pleuvait, donc il est resté chez lui à la maison, il n'est pas obligé, en plein milieu de sa seouda, d'arrêter sa seouda et de rentrer dans la soukha pour continuer à manger. וכן כשהעת קרה, המחלים נקרשים בתוך הסוכה, פטור מן הסוכה ואוכל בבית. Si il fait trop froid, et à cause de ça, le manger il se refroidit, et il se refroidit, il ne peut pas manger comme ça. כן, נקרשים, ça devient c'est glacé. כן? Il est patour de la soukha, et il peut manger chez lui à la maison. Il n'est pas obligé de manger dans la soukha s'il fait trop froid. ולעניין שינה בסוכה, גם גשמים מועטין, עבד שר לישון ויכול לצאת, ואם יצא מלביתו והשכיב את עצמו לישון, ואחר כך פסקו הגשמים, או שמתחילה שכב ביתו לישון מפני הגשמים ואחר כך פסקו, אין מדריכים אותו ללך לסוכה כל הלילה, אלא ישן בביתו עד הבוקר. Si quelqu'un, il a commencé à dormir chez lui parce qu'il pleuvait, ou alors il pleuvait, il a commencé à dormir dans la soukha, il est rentré chez lui parce qu'il a commencé à pleuvoir, et après ça s'est arrêté, il n'est pas obligé de rentrer dans la soukha pour continuer à dormir. Il peut finir son sommeil chez lui à la maison. Quelqu'un qui veut de force accomplir la mitzvah. Ça veut dire, il pleut, et il veut quand même dormir dans la soukha, il pleut à torrent comme ça, et lui il se met avec une couverture, avec des trucs, avec un parapluie en tout la soukha. Ils disent que ça s'appelle idiot, quelqu'un, peut-être, je sais pas, idiot c'est quelqu'un, peut-être un idiot peut-être. Idiot, c'est quelqu'un de pas intelligent. Et il reçoit pas de salaire sur cette mitzvah là. Veno racha il levarech, il n'a pas le droit de faire la bénédiction, les chefs basuka. Mishum d'ave bracha levatala, parce que ça s'appelle une bracha levatala. Donc, je yotze min asuka, bishvil akshamim, lo yivat besukato v'yetze. Si maintenant lui, il voulait tellement accomplir la mitzvah, et après il commence à pleuvoir et tout, et il est énervé qu'il n'a pas pu accomplir, alors il frappe. Il ne faut pas qu'il ait un coup de pied sur la suka et sort de la suka, ça veut dire qu'il est énervé qu'il ne peut pas accomplir la mitzvah.
Et là, Yetzé Be'achna, il doit sortir avec humilité, comme ça, la tête baissée. Ke'eved Shemazak Kos le Rabo, comme quelqu'un qui a versé un verre pour son maître, il lui a donné un verre à boire, il lui a versé un verre, et son verre et son maître, il lui a jeté le verre sur la tête, sur la figure. Alors l'esclave Ken, il est brisé de ça. Il va pas commencer à frapper son maître à cause de ça, ou alors se mettre en colère. Il va être brisé, il va baisser la tête, et il va rentrer chez lui dans sa chambre. Comme ça, on doit se comporter devant HaKadosh Baruch Hu, que si Hachem ne veut pas de nos mitzvot, on doit baisser la tête et sortir de la soukha brisée, rentrer chez nous à la maison, finir la seouda à la maison. Noagim she'en mevarchim leshev basoukha, ela be'achilat keva, venoagim she'mevarchim tchila amotzi, rakar leshev basoukha, kodem she'toem. Donc, quand est-ce qu'on fait la bracha de leshev basoukha? On fait amotzi, et après on dit leshev basoukha, avant de goûter la motzi, et après on goûte. Il y en a qui disent qu'on fait le contraire. C'est-à-dire qu'on fait d'abord les chefs basouka, et après on fait la motzi. C'est-à-dire, et d'après le Ben Ishraï, il faut faire, d'après le Kaf HaChaim, il faut faire les chefs basouka debout. Et après, on fera Motsi assis. Maintenant, celui qui fait le contraire, qui fait d'abord Motsi et après les chefs basouka, il a sur qui s'appuyer. Il peut faire comme ça. Ushar dvarim shu ochel basouka kol ayom, v'chol ma shu yoshev ve'osel sham, v'aflu im yashen sham, niftar hakol b'bracha shibera b'shat achilat keva. Donc tout ce qu'on fait le reste dans la soukha, ou que tout est une mitzvah dans la soukha, de rentrer dans la soukha, d'étudier dans la soukha, de dormir dans la soukha, c'est tout une mitzvah. Alors pourquoi on ne fait pas la bénédiction de l'échef basoukha à chaque fois qu'on veut dormir par exemple? Alors il faut penser à s'acquitter. Quand on va manger dans la soukha, on pense que tout ça on va acquitter jusqu'à la prochaine fois où on va manger dans la soukha. Tout ça, de dormir dans la soukha, manger, d'étudier tout ça dans la soukha qu'on va faire, on accomplit, on pense à quitter de la bracha de chef basoukha quand on va manger dans la soukha. Vim lo yatsa min asoukha le asaka vo le bet haknesset ben seouda le seouda kivan shibirach pam achat shuv eno tzarich levayer be seouda shniya sheochel. Si quelqu'un il n'est pas sorti de chez lui de la soukha, il est resté dans la soukha toute la journée. Alors il a mangé le matin à 8h du matin, il a fait chef basoukha, il a mangé et tout. Et après à 1h, il veut faire un autre seouda, il n'est pas sorti de la soukha, il ne doit pas refaire encore une fois les chefs basoukha, puisqu'il n'est pas sorti de la soukha. Même s'il est sorti, resté chez lui dans la soukha tous les 7 jours, il n'est pas sorti de la soukha, tous les 7 jours il est resté dans la soukha. Et notre tzarich levarer rak pa'am echat. Même Ken, tout, il a qu'une bracha, la première fois où il a mangé là-bas, il fait la bénédiction des chefs basoukha, et tout le reste, il ne fait plus. Puisqu'il est dans la soukha, il n'est pas sorti de la soukha. Donc même tous les 7 jours, il ne fera qu'une seule bénédiction. Qui va chez lui, siar d'atom et la soukha. Puisqu'il n'est pas sorti de la soukha, donc il n'a pas été déconcentré de la soukha. Bah, filou yatsa, yetsia, tara, il va d'un tolar zormia. Même s'il est sorti pour aller aux toilettes, il va revenir tout de suite. Il ne doit pas refaire la bénédiction après. Seulement s'il est sorti pour travailler ou pour faire quelque chose, ou alors aller à la synagogue. Même s'il faisait un peu trop chaud, il est rentré chez lui étudier à la maison. Donc s'il est resté un petit peu de temps comme ça, une demi-heure, trois quarts d'heure en dehors de la soukha, il pensait à faire autre chose comme ça en dehors de la soukha, donc il doit refaire la bénédiction de l'échef basoukha. Mais si c'est juste il est sorti quelques minutes Ken, et il rentre tout de suite après dans la soukha, il ne doit pas refaire la bénédiction de l'échef basoukha. Et si quelqu'un il était en train de manger chez lui à la maison et dans la soukha, et en plein milieu de sa seouda, il n'a pas fait encore Berkat Amazon.
Attends. En plein Seouda, il était dans sa souka, il a fait le chef de souka, et il va chez un ami, son voisin. Il lui dit, viens manger avec moi, tout ça. Donc il va chez lui, il change en plein milieu, il va dans la souka de son ami, et il commence à manger là-bas aussi. Il devra faire aussi là-bas les chefs basouka. S'il mange 60 grammes de pain, il doit refaire là-bas les chefs basouka. Car Katav Magen Avraham, Aval Dat Kama Haronim Shalicha Enan Efsek, Vima Ita Beshat Netila, Ubracha Kavana Lalechet Lesukat Havero, Ensoach Levarer Shenit, Usfek Lebrachot Lakel, Vimlo Aita Kavana Kazot Lechatrila, Mutav Shelo Letzet Bishach Haseouda. Donc si. Il vaut mieux pas faire quelque chose comme ça. Il vaut mieux penser avant d'acquitter que quand je vais sortir de ma souka pour aller chez la souka de mon ami, alors cette bracha que je fais chez ma souka ici, je pense à m'acquitter pour là-bas aussi. Sinon, s'il n'a pas pu ça, il vaut mieux pas faire comme ça, de finir sa seouda, faire Birkat Amazon et après d'aller chez un ami s'il peut, s'il a possibilité. Sinon, d'accomplir, on peut faire comme il y a marqué dans le Kutsir Shulchan Aruch, de refaire là-bas la bénédiction de chef ma souka. Mishé Shachach לברך לשף בסוכה ונזכר באמצע הסעודה או אפילו לאחר שגמר אכילתו צריך לברך. Maintenant quelqu'un il a commencé à manger et il a oublié de faire le chef basoukah. Il s'est rappelé en plein milieu. Même il a fini de manger, il faut qu'il fasse la bénédiction le chef basoukah. Il a fini déjà. Pourquoi? Ki gam hayeshiva sheyeshev sham achar kach imitzva. Même après qu'il a fini de manger, comme il va rester s'asseoir dans la souka, c'est aussi une mitzvah de rester assis dans la souka. Donc il devra faire la bénédiction même qu'il a fini de manger, puisqu'il a mangé 60 grammes de pain. Il doit faire la bénédiction de l'échef basouka. Car Katav Magen Avraham, Aval Yesh Omrim, Shein Levayer Od Al-Echef Basouka, Ela Imken, Yochal Od Pat Bishur Shel Yoter Mekabetsa, Usek Brochot Lakel. Donc nous, d'après le Ben Ishraï, d'après le Ben Ishraï, il dit que c'est un safek, c'est un doute. Safek brachot leakel. Tout ce que on a un doute dans les bénédictions, on refait pas la bénédiction. On prononce pas le nom de Dieu en vain, pour rien comme ça. Donc on ne sait pas. Peut-être que si il doit pas remanger 60 grammes, il faut mieux qu'il fasse pas de bénédiction, même qu'il va rester assis là-bas, puisque c'est un safek. Safek brachot leakel. Donc c'est une machloket. D'après le Ben Ishraï, s'il ne mange pas encore une fois 60 grammes de pain après de s'être rappelé, il ne fera pas la bénédiction le chef basouka. Et d'après le Kitur Shulchan Aruch, même s'il a fini sa seouda, il refera la bénédiction le chef basouka. Nashim, pturot misouka. Les femmes, elles sont pturot. Elles n'ont pas l'obligation de la souka. Ni de manger, ni de dormir dans la souka, ni rien du tout. Elles ne sont pas obligées. Ve'afal piken, rechaïn levarech. Malgré qu'elles ne sont pas obligées d'accomplir la mitzvah de la souka, elles ont le droit de faire la bénédiction les chefs basouka. Ktanim gam ken pturim. Même les enfants, ils sont aussi pturim. Mais kol makom, kol shumi ben chamesh shanim ou le mala, chayav aviv lechancho shiochal basouka. Aflu en aviv beveto, en lanicho shiochal chus la souka. Donc dès que l'enfant il a 5 ans, même que lui il est pas tour, son père il a une obligation de lui montrer c'est quoi les mitzvot, de chanechoto, le chancho, chez Ochal Basouka. Donc on le laisse pas manger en dehors de la souka, même que lui-même il est pas tour, il est pas obligé de manger dans la souka. Lui il fait pas de avera s'il mange en dehors. Mais comme on doit lui apprendre c'est quoi les mitzvot, la mitzvah de la souka, dès que d'après 5 ans, il faut lui apprendre, il ne faut pas le laisser manger en dehors de la souka, il faut lui apprendre à manger dans la souka pendant Soukhot. Siman Kouf Kaftet, Seif Yotet, Kouf Kaftet. Donc il dit que les femmes, d'après le Shulchan Aruch, elles ne font pas la bénédiction des chefs basouka. Maintenant, s'il y a un endroit où les femmes elles ont un minag de faire les chefs basouka,
Et alors, dans cet endroit-là où il y a ce minhag là, que les femmes aussi elles font la bénédiction de Shabbat Souka, même d'après le Shulchan Aruch, et ils ont le droit de faire la bénédiction de Shabbat Souka. Ça dépend du minhag. Ça dépend du minhag, de l'endroit. Donc, d'après le minhag du Shulchan Aruch, les femmes elles font pas la bénédiction, puisqu'elles sont pas obligées de cette mitzvah. Elles peuvent pas dire que tu nous as ordonné d'accomplir la mitzvah de la Souka. Qu'est-ce qu'on dit dans la mitzvah de la bracha? Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Elokeinu melech haolam, notre Dieu, au roi du monde, Asher kideshanu, que tu nous as sanctifié, be mitzvotav, par ses mitzvot, il nous a sanctifié parmi ses mitzvot, vetivanu, le chef basuka, et il nous a ordonné de s'asseoir dans la souka. Comment une femme peut faire cette bénédiction, puisqu'elle n'a pas été ordonnée? Elle n'a pas d'obligation, elle n'a pas été ordonnée. Hachem, il n'a pas ordonné la femme d'accomplir cette mitzvah. Mais malgré que ça, d'après les Ashkenazim, elles ont le droit de faire cette bénédiction-là. Et d'après les Sfaradim, ça dépend du Minagamakom. S'il y a un endroit où les femmes elles ont l'habitude de faire cette bénédiction, elles ont le droit, même d'après le Shulchan Aruch. Chole ou Mishamsham, Turim Misuka. S'il y a quelqu'un de malade, et tous ceux qui s'occupent de lui, ils sont pas tour de la souka, ils n'ont pas obligé d'accomplir la mitzvah de la souka. Im ucholei she'en bo sakana, en hamshamshim pturim ela b'shashu tzarech lahem. Si c'est un malade qui a pas de danger, il n'est pas en danger. Alors, ces meshamshim, tous ceux qui s'occupent de lui, ils sont pas tour de la souka, seulement quand ils s'occupent de lui. Dès qu'ils ont fini de s'occuper de lui, ils doivent accomplir la mitzvah de la souka. Im ucholei she'esh bo sakana, pturim gam b'shashu tzarech lahem kol kach. Si c'est un malade qui est en danger, c'est Meshamshim, ceux qui s'occupent de lui, ils sont pas tour de la souka, même quand le malade il a pas besoin d'eux. Ils sont pas tour. Ils sont pas tour, ils sont pas obligés d'accomplir la mitzvah de la souka, de chercher une souka pour manger à l'intérieur. S'ils se trouvent par exemple à l'hôpital et s'occupent d'un malade, ils sont pas obligés d'aller chercher une souka pour manger à l'intérieur, puisqu'ils s'occupent d'un cholé, d'un malade qui est en danger. Et s'il n'est pas en danger, alors juste pendant le moment où ils s'occupent de lui, ils sont pas tour. Et après, quand ils ont fini de s'occuper de lui, lui il n'a plus besoin d'eux, ils sont obligés de chercher une souka pour accomplir la mitzvah. Mitztaer gamken patur min asuka bechar lelot vechen bechol hayamim vaenu shemitztaer mechamat sina o meruach o mereach ra vekayotze bo. Mitztaer, c'est quelqu'un qui a du mal à accomplir la mitzvah. De quoi il est mitztaer? Par exemple du froid, quelqu'un qui a froid dans la souka, ou alors du vent, il est mitztaer, il souffre du vent, ou alors de mauvaise odeur dans la souka. Des fois elle peut être mal placée, il y a une mauvaise odeur là-bas qui supporte pas. Il est patour. וכן אם קבו לו הנרות בסוכתו בשבת ויש לו תורח גדול ללך לסוכת חברו, יכול ללך לביתו במקום שיש לו נרות דולקים. S'il n'y a pas de lumière, c'est dans la soukha. Il a fait une soukha, il a allumé les bougies et tout, sans tout s'éteint, il n'a pas de lumière dans la soukha. Il ne sait pas quoi faire maintenant. Il va manger dans le noir et il ne peut pas manger dans le noir. Et il n'est pas obligé de chercher une soukha d'un ami pour manger à l'intérieur. Il peut manger chez lui à la maison, si là-bas il a la lumière, il a la lumière chez lui à la maison, il peut manger à la maison. Ça s'appelle mitztaer, qui souffre. Et on ne l'oblige pas de manger dans le noir à cause de ça, ou alors de chercher une autre souka. Et d'afka im mitkhila asa soukato karaou iver bemikre balo enyan shu mitztaer leshev o lishon betocha aval im mitkhila asa bemkom re'acha bekadomo bemkom sheyityare lishon ba eno yotze ba afilu be'achila bayom im ba ruach mutar lifroz sham sadin o beged. Donc maintenant, quelqu'un qu'on a dit tout ça là, c'est seulement si lui il a fait sa souka dans un bon endroit. Il a fait sa souka dans un bon endroit et qu'il n'a pas peur de dormir là-bas, parce que des fois il y a des gens, ils ont peur. Ils dorment dans la rue, ils ont peur de dormir dans la rue. Il y a des voleurs, il y a des trucs, il peut arriver quelque chose. Ou alors il a mis de sa souka dans un endroit où il n'y a pas de mauvaise odeur. Okay, il a bien fait sa souka pour pas qu'il y ait du froid qui rentre à l'intérieur. Dans ces cas-là, on dit que Mitztaer, il est pas tour de la souka. Maintenant, si lui, il n'a pas bien fait sa souka, il a fait dans un endroit où il ne peut pas accomplir la mitzvah. Donc, il accomplit même pas sa mitzvah, même dans la journée. Elle n'est pas cachère, sa souka, parce qu'il a fait sa souka dans un endroit où il ne pourra pas accomplir la mitzvah dedans. Okay, puisque c'est Ain Leel. On va voir Leel, qu'est-ce qu'il dit. C'est If Chet.
les frettes. Top. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure sur les. Qu'il y en a qui ne dorment pas dans la souka, qu'on peut les juger les kafsrout. C'est-à-dire. Maintenant, si dans la journée, il y a eu du vent, il y a du vent qui rentre dans la souka, il peut mettre sur le. Mettre un. Un sadine, c'est un drap pour cacher, pour que le vent ne rentre pas à l'intérieur, il a le droit de faire ça. Olche drachim bayom, pturim min asuka bayom. Kivan she'en lahem sha'ut litroach achar suka. Kivan she'tzrichim lelech tekef ledarkan. Aval im yecholim leshev basuka blitroach, chayavim leshev basuka. Quelqu'un qui va en chemin, dans la journée, il est en chemin. Il doit aller d'une ville à l'autre, il est en chemin. Et alors, comme il est en chemin, il est patour de la souka dans la journée. Ça veut dire quelqu'un qui va en bus d'un côté à l'autre, il est en voyage. Tout le moment où il est en voyage, il est patour de la souka. S'il a faim, il veut manger, il peut pas manger, il a pas de souka. Il peut manger même dans le bus puisque il a pas maintenant la possibilité d'accomplir la mitzvah puisqu'il est en chemin, il a trop sommeil, il peut pas se retenir, il doit dormir dans le bus, il a le droit de dormir. Puisqu'il est en chemin. Ou balayla kshem bamalon, kshem rotim la luncham, tsrichim le atriach et atzmam le chef basuka. Et le soir, quand ils rentrent dans un endroit où ils veulent dormir, il faut qu'ils trouvent une souka. Ils ne peuvent pas dire voilà, je suis en chemin et demain on continue notre route, alors on va continuer demain, alors on peut dormir aussi ce soir dans la voiture. Non, il faut qu'ils s'arrêtent dans un endroit et chercher une souka dans cet endroit-là où ils peuvent dormir dans la souka, comme ça ils accomplissent la mitzvah de la souka. Le soir, ils ne sont pas patour de la souka. Juste pendant le moment où ils sont en route. Afulem makom shen sham souka, imicholim la sot souka, le meat mamon, chayavim lishtadel jete laem souka, lishon betora. Si il n'y a pas de souka, s'ils peuvent avec un peu d'argent accomplir la mitzvah de la souka, acheter quelques branches et faire une petite souka comme ça pour la nuit, alors ils doivent accomplir cette mitzvah. Dat alevush de chayav lechapes bezviva, oula yesham souka, lechol vishon sham. Avaleno chayav lehasot lo souka, chenikar la halacha, va machmir ke dat amagen avram, tavo lav bracha. Vehim olchim gam balaila dinam kemo bayom. והולכים בכפרים לגבות חובות בכל המועד, אם אין יכולים לעשות להם סוכה, יחמירו על עצמם לחזור לביתם בכל לילה לקיים מצוות סוכה. Si maintenant quelqu'un il peut rentrer chez lui à la maison, parce qu'il n'est pas trop loin de chez lui, il vaut mieux qu'il rentre chez lui tous les soirs pour dormir chez lui dans la soukha et d'accomplir la mitzvah de dormir dans la soukha. Shluchei mitzvah afilu balayla kshehem bamalon, אם צריכים לתרוח אחר סוכה, או שאין נוח להם לישון בסוכה, ואם ישנו יהיו למחר יגיעים ויתעגבו מן המצווה, פטורים בסוכה, אבל בלאו הכי חייבים. Maintenant, c'est שלוחי מצווה. שלוחי מצווה, c'est des gens qui vont, ils vont faire accomplir une mitzvah. Ils sont en chemin pour accomplir une mitzvah. Pour, je sais pas, une mitzvah. שלוחי מצווה. Ils vont faire, ils sont en chemin pour accomplir une mitzvah. Ils sont pas tour de la soukha. Même le soir, quand ils vont dormir, puisqu'ils sont en chemin pour faire une mitzvah, et s'ils peuvent dormir dans une soukha facilement, il vaut mieux qu'ils accomplissent la mitzvah de la soukha. Mais s'ils vont être fatigués à cause de ça, parce qu'ils ne vont pas bien dormir, et le lendemain, ils ne pourront pas accomplir la mitzvah comme il faut, ils ne sont pas tour de la soukha, puisqu'ils sont envoyés d'une mitzvah, c'est-à-dire qu'ils sont en chemin pour accomplir une mitzvah. Shomrei ginot ou pardesim, donc il faut mieux demander quand même à un rab pour savoir exactement ce qui s'appelle shluchei mitzvah. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'appelle Shluchei Mitzvah? À l'époque, ils envoyaient des gens pour réparer des chemins, des trucs, qui faisaient des mitzvot pour le monde. Je ne sais pas quelle mitzvah s'appelle Shluchei Mitzvah. Il faudrait demander quand même à un rav pour savoir qu'est-ce qui s'appelle Shluchei Mitzvah. Shomrei Ginot ou Pardesim ou Dvoa avec Aotsebo, im efshar lishmor kulo b'mokom echad, yase lo sham souka v'yeshev ba. Quelqu'un qui travaille dans un garde de nuit. S'il a possibilité de faire une souka et de dormir là-bas, puisque c'est un garde de nuit, il dort dans une petite cabane. Alors s'il doit être dans un endroit spécial,
et il peut faire là-bas une souka, il faudrait qu'il fasse une souka là-bas. Aosim yain etzel ovde o kochavim. Pturim in asuka. Ben bayon, ben balayla, mishum de tzrichim lishmor shelo yiga bo oved kochavim, vimu binyan sheno tzarich shimur chayavin. Donc quelqu'un qui fait du vin chez des goy. Maintenant, il faut faire attention que le goy ne touche pas le vin. S'il touche le vin, il rend tout ça, il y a une neser. Donc il doit être là-bas jour et nuit devant le vin. Donc lui, il n'est pas tour de faire une souka. Et s'il peut faire une souka, il a la possibilité de garder et en même temps de faire une souka, alors là, il est khayav, il est obligé. Mais si ça va l'empêcher de garder, alors il n'est pas tour. Il doit sortir pour ça à l'extérieur, il ne pourra pas garder, donc il n'est pas tour de faire une souka. Ayoshvim bechanut, afalpi shem darim chutz lair, vachanut ibair, urigilim kol hashana berov pa'im lechol sham bayom, mikol makom besukot chayavim lechol basuka. Les gens qui travaillent dans un magasin, afalpi shem darim chutz lair, et ils habitent dans un endroit en dehors de la ville, et ils viennent travailler dans ce magasin, et vachanut ibair. Tiens, le magasin il se trouve dans la ville, eux ils habitent en dehors de la ville. Très loin, ils n'ont pas de souka proche. Au régilim kol hashana berov paim lechol sham bayom. Toute l'année, ils mangent dans le magasin. Le kol makom besukot chayavim lechol basuka. Malgré tout ça, pendant soukot, ils sont obligés de manger dans la souka. Il faut qu'ils se fassent une petite souka quelque part, ou alors manger bien le soir quand ils sont chez eux, le matin avant de sortir de la maison, et dans la journée manger des choses qui sont permis de manger en dehors de la souka, comme des salades. On a dit des salades, ou alors des fromages, de la viande, qu'on a le droit de manger ça en dehors de la soukha. Bezat Hashem Yitbarach, on a fini le chapitre 135. Chez Hashem Izake Otanu, qui nous fait mériter d'accomplir la mitzvah de la soukha, avec beaucoup de joie. Bezat Hashem Yitbarach, Kol Tov, Shana Tova.